C'est par petits groupes constitués que ces jeunes filles et garçons ont mené cette opération de nettoyage de la ville. Ces jeunes, pour la plupart, sont des ex-combattants qui ont décidé de ne plus vivre dans l'insalubrité. Ils pensent aussi que le moment est venu de vivre dans une cohésion totale et participer à la reconstruction du pays. Les ex-combattants veulent donc bénéficier de projets afin de se prendre en charge. Le préfet de Tabou, Yacouba Doumbia, les a rassurés. Tous seront pris en compte. Seulement, il faut déposer les armes. Zoumana Koulibaly, le chef du bureau régional de l'ADDR, tout en saluant cette initiative, a invité les ex-combattants à être des modèles dans leur environnement.